Bonjour. On peut vous interrompre un petit morceau de fromage? Je veux bien. Alors vous avez de la tome de Savoie, de l'abondance. Un plateau de fromage pour aller à la rencontre du public. Des produits AOP ou IGP de Savoie, servis directement par les producteurs. Dégustation appréciée des Chambériens comme des touristes. Chaque fois que je vais dans une région, que je visite une région, j'essaye de vraiment de consommer localement. Oui. C'est agréable, c'est vrai, d'avoir des gens du cru et des gens qui connaissent le produit et qui permettent de conseiller. Quoi. Le temps d'une journée, les jeunes agriculteurs ont quitté leur ferme pour jouer les ambassadeurs, promouvoir fromage et vin de Savoie. Démarche nécessaire pour sensibiliser les consommateurs à leur travail. Il y en a, ils vont seulement faire les courses en grand magasin, ils prennent le fromage le plus bas prix, je pense, et ils réfléchissent pas forcément. C'est vrai que c'est important quand on voit, tout le monde parle de la crise du lait, mais finalement les gens savent pas ce que c'est, donc là, ça permet d'en discuter aussi, je pense. Au marché de Noël de Chambéry, la présence des jeunes agriculteurs est une première. Cette année, ils ont décidé de vendre eux-mêmes leurs produits et dénoncer ainsi les marges de la grande distribution. Notre but aussi, c'est surtout de vendre le fromage à un juste prix. On ne veut pas faire comme les revendeurs qui ont tendance à vendre des beauforts à 35 € le kilo sur des marchés, ce qui pour nous est totalement du vol. Nous, on va le vendre à 17-18 €. C'est un prix tout à fait acceptable. Après cette opération dégustation, fromage, vin et miel de Savoie seront proposés à la vente la semaine prochaine sur le marché de Noël de Chambéry.